Eh bien, salut tout le monde, c'est Raito et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de Let's Play sur Kingdom Hearts Board Basic. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va très bien, ça fait plaisir de vous retrouver pour la suite des épisodes, comme d'habitude. Alors, je crois qu'on s'est arrêté sur cet espace gigantesque, en tout cas il y a des mondes partout. On vient de découvrir, je crois, 4, si mes souvenirs sont bons. Et peut dire qu'on a passé sur 2 mondes qui servaient absolument à rien, c'est juste un passage scénaristique avec des cinématiques. Il n'y avait pas de combat ou rien du tout. Pour ce qui concerne un peu la... l'arme que je suis en train d'équiper, j'ai toujours l'astre férique maintenant dans l'équipement, comme équipement principal, comme arme principale on peut dire. Et c'est un peu équilibré, 3 de force, on peut dire 3 de magie et 2 de force. Bref, on va se diriger maintenant vers le jardin radieux et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Allez, c'est parti. First, this can only mean Master Xehanort was right. D'accord, c'est parti. Alors, on va combattre Denition. Déjà, on vient d'appeler de rentrer. Il y a Denition. Denition facile, en tout cas. Allez, allez-vous. Et hop. Eh bien, ah, mais ils font mal quand même, bien qu'ils soient assez petits. Allez, taille. Oh, il vient de se camoufler un peu. Mais arrêtez de s'enfuir. Voilà, taille violente, niveau 3, c'est génial. Bref, il n'y a pas que ces petites éditions, il y a aussi ces... ça ressemble un peu comme une sorte de jarre. Qui vole. Allez. Voilà. Il faut des attaques gelantes. Ma foi, j'ai été assez surpris par ça. Je croyais qu'ils font juste des attaques physiques normales. Hop. Voilà. Oh putain. Bon, je crois que je vais faire. Je vais faire maléfique. Allez. Je crois que c'était pas une bonne idée en tout cas. Mais c'est quoi ces trucs qui volent un peu partout? Non, 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 tourne. Est-ce que... comment je peux annuler ces trucs? Non, non, je veux pas mourir. Bah voilà. En fait, je voulais essayer un peu le... non mais sérieux, c'est quoi ce délire? Je voulais essayer un peu de faire... comment dire? Je voulais essayer de faire... un lien D au passage pour que le combat soit assez fun, mais... ma foi, c'était pas aussi... aussi facile que je l'attendais. Surtout avec ces gigantesques missions qui arrivent. Allez, amenez-vous! On va les prendre assez facilement, ceci. Et oh! Ouh là là. Mais. Voilà! T'es mieux à terre, comme ça je peux t'enchaîner avec des combos. Voilà! Allez, et vont venir les autres là qui sont plutôt tordus à voir. Alors, on va faire une petite manipulation. Kill bouton. Voilà. Carré. Carré. Ah non, c'était rond, c'est pas carré. Mais non!
Il m'a ralenti, il m'a ralenti, c'est pas bien. Voilà, c'est le dernier. Je crois que c'est grâce à cette valve un peu qu'il enchaîne un peu ses tourbillons dans l'air. Mais voilà. C'est bien, avec Foudre Plus, il peut enchaîner plusieurs en même temps. Mais pourquoi il y a autant par ici? Pourquoi il y a autant? Ouf. Heureusement qu'il a raté son coup. Non, il va exploser encore. Il va exploser encore, c'est une bombe. Bon, qui est en train de rouler dans la terre. Et hop. Salut, tu vas venir où je viens? Alors là c'est pas... Mais arrête de me suivre. Ok, c'est bon, il a explosé. Voilà, c'est bien, c'était une fin assez exceptionnelle. Avec un peu le feu derrière, Terra, c'est assez stylé. What's Master Xehanort doing here? Maybe he found something out. Voilà. Radiant Garden. Jardin radieux. Alors c'est parti, avant d'aller plus loin, on va essayer de voir un peu dans le côté, il y a sûrement des coffres. Je le dis toujours à chaque fois parce que voilà, je me perds un petit peu, j'avance directement et j'oublie. Attends, il y a moyen de la voir. Oh! D'accord. Je peux pas avoir ce sticker. Ah. J'étais presque. Bon, ouais, voilà, je l'ai eu. Ouf. Voilà, je viens d'acquérir ce sticker. C'est comme si j'ai accompli quelque chose d'extraordinaire, mais c'est rien, c'est juste un sticker. Mais bon. J'ai bien. Je me demande ce que fait Maître Xehanort ici. Ouais, mais je vais pas maintenant avancer. Il y a encore des coffres. Potion plus. Ok, on va voir en bas d'ici. C'est moi quelque chose d'autre. Je me demande ce que fait Maître Xehanort. Tu peux pas avancer par là non plus. Et écoutez, je vais aller tout droit alors. Je crois qu'on vient de faire le tour un peu de cette zone. Ah, c'est pas par là? Ah, je me suis trompé, c'est... Ah oui, c'est droit devant. C'est droit devant. En tout cas, c'est assez beau, j'aime bien là, graphiquement. C'est assez beau cet endroit. Ça s'appelle pas un jardin pour rien. Why can't I ever seem to remember this address exactly? Ok, Andrek Myrna, il a oublié son livre magique, on va lui rendre. Excuse me, Your Elderness. Hmm? I believe you dropped this book. Did I? Oh, I'm very sad to say this isn't one of mine, but what a remarkable book it is. This unassuming volume seems to have the unusual effect of awakening one's innermost abilities. A book that makes people stronger? If it's all right, Your Elderness,
Might I have a closer look? The name is Merlin. I'm a powerful wizard, and I'll have you know a lot of wisdom comes with age. Anyway, as I said, the book is not mine, but I'd be happy to keep it here for you. Thank you, Merlin. Ok, alors on est d'accord. Je sais pas si je devrais jeter un petit coup d'œil tout de suite, ou bien faire un peu le tour par ici, voir ce qu'il y a. Ah non, non. On va pas faire du vandalisme. C'est pas bien. Allez, il y a un coffre. Christophe Chateaillon. Merlin, t'as pas grand chose à nous dire. On va regarder maintenant le livre. Winnie the Pooh. Winnie l'ourson, en quelque sorte. Forêt des rêves bleus, chasse aux commandes débloquée. Ok, en quelque sorte, on vient juste de débloquer une chasse aux commandes. Je dois être plus populaire que je n'imaginais, ça fait beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Ouais. C'est juste que c'est lié un peu à Vanitas et à Xenahort, ça n'a rien à voir avec toi. Ok, je vois déjà qu'il y a un coffre par ici pour ne pas le rater. Et c'est quoi? Une carte. Voilà. Encore une carte. Il y a un Mog par là. Au cupo, on peut dire. Allez, on va parler au Mog et acheter des trucs. Parce qu'il a... Frappe entrave. Résulte de 4... Exécuter une attaque en brel qui entrave certains ennemis. Ça a l'air intéressant. Bref, il y a pas soin plus, par hasard. Non, il n'y en a pas, il y a... Parade. Ça, je l'ai déjà. Et stock brasier. Entourez-vous de feu. Oui, punissez les ennemis éloignés avec une attaque chargée. Et stock brasier, ça a l'air sympa, ça. On va prendre, hein. Espèce maléfique. Une charge enflammée. C'est pas par là, non. Je crois que c'est par ici. Ah oui, c'est par ici. Il y a 3 étoiles et 3 points d'exclamation, c'est sûr, alors. C'est un endroit que j'ai pas encore vu. Ok, on dirait qu'on a déjà fait cette partie dans l'histoire de Vintus. Alors, on est en train de refaire le même endroit. Quasiment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de grand changement dans le jardin radieux. À part un peu dans le contexte un peu scénaristique. Il y a quelques petits changements, mais pas grand chose. Allons. Allez. Viens par ici. Et hop. Voilà. C'est bien tout ça. Allez, encore le gros qui arrive. Donc il n'aura pas la chance de nous attaquer. Voilà, c'est génial. Je l'ai bien enchaîné, en tout cas c'était assez facile. On va voir dans les côtés, il y a sûrement un coffre. Non, il n'y a rien. Allez, on va gaspiller un peu ce pic de fièvre pour rien. Et il a osé m'attaquer. Vous avez remarqué un peu contre les charges. Elle est en train de fondre, comment dire. C'est pas qu'elle est en train de fondre, mais plutôt elle devient comme une sorte de papier. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai débloqué, en tout cas j'étais un peu concentré sur le combat. Allez, on va ouvrir ce coffre. Ok, on dirait que c'est tout ce qu'il y a par là, il n'y a pas grand chose. Voilà. Bon, j'ai déjà fait cette partie avant, alors je sais comment monter et tout. Ah. Non, je peux pas sauter par là, je crois. Donc il me faudrait le double saut. Ah, je peux le faire 2 fois, c'est génial. Oui, mais là, on a rien de spécial à ce qui paraît. Mais bon, écoutez, c'est mieux que rien. Encore eux.
Ah, il m'attaque. Ce sablier fait pas mal de dégâts en tout cas, je sais. Après, c'est un endroit assez, comment dire, assez exigu, on peut dire. Pour faire un combat, c'est assez petit. Bon, tu sens ce que je tombe. Enfin, bref. Est-ce qu'il y a moyen de passer à gauche? Ou dire à droite? Parce que je crois que c'est le bon chemin, c'est par ici. Je veux pas aller par à gauche, mais je veux aller par ici. C'est possible. Voilà, c'est génial. Ouais, qu'il y ait des coffres, des ennemis autour. Il n'y a rien de gratos en tout cas. Et hop. Et putain. Allez, déferlement de foudre. Génial. Il le fait à chaque fois, il est en train de frapper le mur au lieu d'ouvrir un coffre. Non. Il faudrait impérativement avoir le saut, comment s'appelle, le truc volant là de Peter Pan. Et ben voilà, génial. Bon, je vais faire cette partie encore en ellipse, quoi. Bref, c'est pas besoin de faire une ellipse pour monter plus facilement. Pas de soucis. Bien qu'on a perdu assez de temps dans cet endroit. Mais bon. Ah, la caméra des fois. Vous avez remarqué un peu les attaques élémentaires, elles font plus de dégâts que les attaques normales. C'est un peu l'effet de l'arme. Parce qu'il a. Il a 3. Plus 3 sur la magie et 2 seulement dans l'attaque. La force. Voilà, je crois qu'on est arrivé à quelque part. Ok, d'accord. On me demande où je me trouve. On est dans une sorte de machin ici. Je sais pas si je devrais me taper tous les monstres qui se trouvent par ici ou juste rusher un peu le chemin. Allez, tout droit devant. Bref, la mission elle est assez habituelle quoi. À chaque fois, à chaque épisode, on est en train de partir à la poursuite un peu de Maître Xehanort. Et aussi trouver un moyen de se débarrasser des ténèbres qui entourent Terra. Mais je sais pas vraiment pourquoi elle est venue par ici, le jardin radiant en tout cas. Allez, un coffre encore. Isuna. Je crois que Isuna se soigne un peu toutes les altérations d'état. Ça, je le connais déjà à partir des Final Fantasy. Si vous suivez ma série sur Final Fantasy X, vous l'aurez compris plus facilement. Attends, il y a un coffre par ici. Ça, je vais pas le rater, c'est clair, parce que le chemin, le vrai chemin, il est à gauche, il faudrait toujours regarder dans les coins. Blackout, ça aveugle un peu les ennemis. C'est un peu comme l'effet de cécité sur Fantasy X. Je sais, il y a beaucoup de citations entre les Final Fantasy et le Kingdom Hearts, parce que c'est les mêmes développeurs un peu, le système de combat n'est pas aussi différent que ça. À part que c'est plus orienté action. Merde! Je me fais attaquer avec... comme une sorte de boomerang vert. Allez, on dégage d'ici. On ouvre ce coffre. Et voilà. Pardonnez-moi, j'ai pas le temps de combattre tout le monde. Voilà, on est arrivé quelque part, je ne sais pas où. Ah, on dirait qu'il y aura ce combat de boss, si je me souviens bien. En compagnie de... Aqua et Vetus.
Je croirais vraiment un robot tout droit sorti d'un Sentai. Sentai, c'est un peu le Power Rangers. Un Power Rangers japonais, quoi. C'est un peu les mêmes trucs, les mêmes machins. Faudrait que je reste un peu à l'écart pour me soigner. Oh mon dieu. Ah, ah, il fait très mal, il fait très mal. Allez, encore une manipulation. Vite, vite, vite. Allez, ne me tue pas, ne me tue pas, je suis gentil. Ne me tue pas. Vas-y, poussière de diamant. Voilà, ça fait très mal en tout cas pour lui. Vas-y. Non, 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 non. Ouf. Allez, vite. Non. Mauvais bouton. Voilà, je suis presque. Ah non! Ah, il devient complètement fou ces robots. Ces robots lésions. Ok, ça m'a rassuré. En tout cas, je suis. Ouh, putain, 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 putain. Ok, maintenant la charge laser. Non, non, je suis mort, je suis mort, je suis mort. C'est fichu, c'est fichu. Ouais, voilà. Ah là là. Je vais réessayer encore. Je crois que le truc qu'il faudrait viser un peu, c'est sa tête. Je vais me concentrer un peu à viser sur sa tête. Concentre un petit peu, voilà. Ok, elle devrait être désassemblée maintenant. Vas-y, désassemble-toi. Oh non. Alors c'est celui-ci qu'il faudrait viser. Ah merde. Ah putain. Mais c'est assez tordu comme ça, c'est... Voilà, troisième essai. Encore, je vous jure, cette fois-ci c'est la bonne. Mais pas de 203 en tout cas. Allez, on peut le faire. Some.
Ouf. Ah oui, faudrait que j'utilise un peu cette charge vers le côté. Vas-y, je peux me débarrasser de celui-ci. Il ne me reste pas grand-chose en tout cas, c'est clair. Ah, mais... Bon, je crois que je vais faire un petit ellipse alors. Allez, à tout de suite. Et voilà, enfin, j'ai pris un quart d'heure pour ce boss parce que c'était assez difficile. Ouh là là. En tout cas, il m'a donné du fil à retordre, c'est clair. Got him. We make a good team. Sure do. Oh yeah, I got you these tickets. For what? Lifetime passes to Disney Town. He said to take two grown-ups. You mean us? Listen to me, Van. We need to get you home. It's okay, Aqua. Trust me, that guy in the mask is history. I'll never badmouth Terra again. You saw the boy in the mask? Yes? Vanitas. Ven. You let Aqua take you home. No way! I want to go with you guys. You can't. We have a dangerous task ahead of us. I don't want you to get hurt. And what is this dangerous task, Terra? It doesn't sound like what the Master told you to do. It might be a different route, but I'm fighting the darkness. I'm not so sure. I've been to the same worlds as you, and I've seen what you've done. You shouldn't put yourself so close to the darkness. Listen to yourself, Aqua. Terra would never- You mean you've been spying on me? Is that what he said to do? The Master's orders? He was only... Aqua? I get it. Terra! Just stay put! I'm on my own now. Alright? Terra, please! Listen! The Master has no reason to distrust you, really! He was just worried! Ok, on vient de recevoir un pass pour Disneyville. Pass valable à vie pour Disneyville. Ok, d'accord. Master Xehanort is the only one I could still count on. You must be Terra. It's that old coot. He won't stop asking for you. I came all the way out here to get you, just so he'd clam up. What do you mean? Ha!
Do I have to spell it out? Xehanort, whatever he's called. You know, my prisoner. You're apparently not a very good liar. Master Xehanort would never let himself be caught by a thug like you. As if. I got the old coot at my mercy. See for yourself. I'm holding him underneath the outer gardens. You better show up before I lose my patience. Ciao. There's no way it's true. But no harm in looking. D'accord, alors on va aller vers le jardin extérieur. Ça se voit pas qu'il est en train de mentir, ce mec. Je crois que laisser commettre Xehanort et c'est en quelque sorte piéger Terra un peu pour qu'il libère un peu ses ténèbres. Pour que Terra soit un peu à la merci du maître Xehanort. Une fois qu'il aura libéré ses ténèbres et qu'il prenne le dessus sur lui. Je crois que c'est ce qui va se passer. En tout cas, je sais pas trop, mais voilà. Je veux pas me faire spoiler tout seul dans mes pensées, mais bon. Bref, on va s'arrêter sur ce passage, les amis. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode. Ça fait un épisode Réchanfel contre ce boss. J'ai passé un bon quart d'heure. Et vous n'avez absolument pas tout vu parce que là j'étais en train de réagir à un certain moment. Mais c'est pas grave, j'ai passé ça dans cette petite ellipse au passage. Bref, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao ciao!